Salut tout le monde, c'est Darkan62 et nous nous retrouvons pour l'épisode 3 de Lost Island. Alors, j'espère que vous aurez aimé mes deux précédentes vidéos. Car la série n'est pas prête de s'arrêter. Il va falloir que je rebouche. Si vous avez regardé l'épisode 2, vous verrez que ce trou a été fait par un creeper. Un peu logique. Alors. Ah, j'aurais pas assez de terre. Non, tant pis. Ah ouais, j'avais tout perdu contre les... Est-ce que j'y vais maintenant, voir si je peux récupérer ou pas? Non, tant pis. Est-ce qu'il me reste une pioche? Une pioche. Tant pis. On va prendre un steak. Et on va partir miner. Et si on trouve, si on a de la chance, on trouvera du fer. Et je pourrais commencer à me stuffer, ce qui sera mieux pour aller déglinguer les mobs. Ah, des petits lags. Bah. Voilà, quand on parle du loup. Faut que je fasse attention, normalement on ne doit jamais creuser sous ses pieds. Ah, pas mal. Je pourrais déjà commencer à faire peut-être une épée, ou je sais pas. Je verrai. Bon, on commence bien pour l'instant avec le fer. C'est nickel. Par contre, je vais reprendre ma pioche en bois. Ah, désolé si je peux pas vous faire de torches pour l'instant, mais je n'ai pas encore trouvé de charbon. On va tourner là. Ouais, on va tourner là. Je suis désolé si vous voyez rien. Je vais aller regarder si j'ai du bois, peut-être faire du charbon de bois. Parce que même pour moi, c'est pas très agréable. Alors, est-ce que j'ai du bois? Ah bah, je vais couper l'arbre là-bas. Tac. Alors, moi ouais, j'ai des sticks. Ah, j'ai pas fait de hache. Bon, on va se faire une hache en cobble. Et je voudrais vous dire, surtout n'hésitez pas si vous avez des critiques à faire par rapport à la vidéo pour que je m'améliore. N'hésitez surtout pas, elles seront le bienvenu. Alors, c'est dur si j'ai qu'un arbre à chaque fois. Je me rappelle plus ce qu'on peut faire. Du charbon de bois avec des planches. Non, pas là. Moi, je me rappelle plus trop si on peut faire cuire des planches. Non, donc c'est le contraire. Ouais. Je pense avoir fait peut-être un fail, mais bon, je suis pas sûr. J'aurais dû... Tant pis. Bah, nous aurons que deux charbons de bois.
C'est pas fameux. Peut pas faire cuire du bois avec du bois. Non. Tant pis. On va devoir se contenter que de ça. Tiens, il y a des cochons. Est-ce que je les tue maintenant ou... Tac. On va peut-être commencer à aussi me faire une sorte de petite réserve de nourriture. Purée, j'ai rien dans mon coffre. Hop, on va se faire une épée en cobuel. Et vous inquiétez pas, ce n'est que le début de l'aventure, après ça ira mieux. Viens là pour qui? Trois côtelettes. Bon, tant qu'à faire, on va tous les tuer. Non, ton profond. Attends, je sais pas où il est, mais je vais pas. Trois côtelettes. Non, ça m'énerve, j'y vais quand même. Remonte, 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 remonte. Et là, redescend. Je l'ai vu, elle est juste là. Enfin, je crois. C'est bon. Remonte. Allez, 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 allez. Ah, voilà. Pile poil. Alors, on va commencer à manger la pomme. Et tuer les autres cochons. Ah, pas mal. Le point positif sur cette île, c'est que avec les cochons, je risque de manquer très rarement de nourriture, mais comme je peux pas la faire cuire pour l'instant, avec des planches peut-être. C'est du gaspillage, je sais, mais bon. Non, c'est de l'autre côté. Maintenant que j'ai des torches, on va pouvoir les miner tranquillement. Alors. Voilà. On va prendre la pioche en bois. Alors. On a encore retrouvé du fer. Maintenant, il manque plus que de trouver le charbon parce que c'est bien de trouver du fer, mais s'il n'y a pas le charbon qui suit, ça va pas aller. Allez. Bon, ça, nous sommes bien retombés en fer. On va tourner là. Je tenais à vous dire que n'hésitez pas à laisser des commentaires quand même pour que je m'améliore dans mes vidéos.
Ou si vous voulez que rajouter des challenges et tout, n'hésitez pas. Aimez et abonnez-vous. Voilà. Il commence peut-être un peu à faire trop noir. Trop noir. Ouais, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça vous sera rendu. J'ai pas fait de pelle. Non. Tant pis. J'ai pris un screenshot. Comment je... Oh, bah, tant pis. On casse à main nue, hein. Bon, moi je pourrais aller reboucher le trou de creeper qui a été fait au-dessus dans l'épisode 2. Ah, du charbon. Ah, bien. Bien, bien, bien. La torche, on va la mettre. On va la mettre où? On va la mettre là. Tac. Ah, génial, du charbon. Non. Génial. On va remonter tout de suite pour aller faire cuire le reste de la viande et le fer. Peut-être avec de la chance, dans le troisième épisode, vous pourrez me voir. Dans le quatrième, pardon, vous pourrez me voir me battre encore mieux avec les squelettes, les zombies. Ah, ça c'est bien ça. Nous sommes tombés sur une grosse réserve quand même. C'est pas mal. Ma pioche est presque morte. Enfin morte, je me comprends. Vive le charbon. Tac. Il y en a vraiment beaucoup. Je pensais pas que j'allais en trouver autant. Donc on remonte tout de suite, hein. Et je voudrais vous dire que plus tard dans mes vidéos, bah, j'ai longuement réfléchi. Je me suis dit que peut-être je ne ferai pas que des jeux d'horreur et Minecraft. Je ferai peut-être aussi bah, des autres sortes de jeux. Car après, je pense que ça peut devenir assez lassant de regarder toujours la même vidéo. Donc par exemple je dis n'importe quoi du Naruto, des autres jeux quoi. Donc proposez-moi des jeux et je verrai si je pourrais y jouer. Une torche. Par contre je sens mal, j'entends une araignée dehors. Je pensais pas qu'il c'était déjà la nuit. Allez où? Ah. Allez, viens là, ma belle. Allez. Elle a pas descendu ou quoi? Ouais, bien fait. Prends-toi ça dans les pattes. On va mettre la moitié de la viande là-dedans parce que si je meurs, un peu plus de la moitié. Bah, je crois qu'on va devoir se laisser ici parce que je crois avoir dépassé la limite de temps. Donc, on se dit ciao et à la prochaine. Bye.